tu es mou et paresseux. Tu es un rêvasseur. Voilà ce que tu es, un rêvasseur. Tu es né là au-dessus de ce comptoir et tu connais même pas ton métier. Celle-là, elle est forte. Hein. Non, tu ne connais pas ton métier. Tu ne sais même pas doser un mandarin cassis. Quand tu piques un citron curaçon de la maison, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Eh bien, pour la dixième fois, je vais te l'expliquer. Approche-toi. D'abord, tu mets un tiers de curaçon. Attention, un tout petit tiers. Un tiers de citron. Un peu plus gros, tu vois. Maintenant, un bon tiers de picot. Regarde la couleur. Regarde comme c'est joli. Et à la fin, un grand tiers d'eau. Voilà. Ça fait 4 tiers. Exactement. J'espère que cette fois, tu as compris. Oui, mais dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Même dans un arrosoir, on peut mettre que 3 tiers. Alors explique-moi comment j'ai fait pour mettre 4 tiers de ce verre. Ça, c'est l'arithmétique. De l'arithmétique. De l'arithmétique. Quand on ne sait plus quoi dire, on cherche à détourner la conversation. Et la dernière goutte, c'est de l'arithmétique, peut-être ? Et la dernière goutte de quoi ? Celle qui reste pendue au goulot de la bouteille. C'est pourtant pas difficile, hein. Regarde. Tu verses comme ça, en faisant un quart de tour. Et avec le bouchon, tu remets la goutte dans le goulot. Seulement toi, monsieur Marius, tu fais ça en amateur. Alors la goutte coule sur l'étiquette. Voilà pourquoi ces bouteilles sont plus faciles à prendre qu'à lâcher. Ça te fait rire ? Et toi aussi, tu riais ? Oui, mais moi, je ris de ma patience. Pour savoir, les jeunes font quoi de toute leur journée? Est-ce que je peux te poser quelques questions? Oui, vas-y. Combien passes-tu de temps sur les réseaux sociaux? Le tiers de mon temps. Et combien passes-tu de temps à dormir? À peu près le quart. Et du coup, tu passes combien de temps sur tes activités? Le douzième de mon temps. D'accord, merci. Mais du coup, il te reste combien de temps pour étudier? Dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Glandu, ouais. S'est posé une question ce week-end. Mm. Il est arrivé ce matin en me disant, j'aimerais répondre à une vraie question existentielle que j'ai. J'ai dit, j'écoute ta question existentielle, ça me fait peur. Glandu est arrivé avec cette simple question. Eh ben, hier soir, tout simplement, je me faisais des coquillettes et je me suis demandé, mais combien il y a de coquillettes dans un paquet de 500 grammes? Une vraie question. Il y a 500 grammes? Oui, il y a ça, un paquet de 500 grammes, ouais, c'est ça, de coquillettes. Je te propose de commencer à ouvrir le paquet. Ok. Et donc, bah, de passer l'émission à compter les coquillettes. On va faire un point coquillettes régulièrement dans l'émission. Glandu, on est à combien de coquillettes? Là, on est à 100, on a passé les 100, 103. Il y a du boulot encore. T'en es à combien? On en a 1346, ça avance. Et il en reste beaucoup là? Ah ouais, il en reste énormément, je pensais vraiment pas qu'il y en avait autant. On se trompe pas, hein? Ah non, on se trompe pas. Alors, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. J'ai trouvé ce système qui est très pratique. Ah oui, du coup. De la boîte, ça tombe directement dedans. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Non, non, arrête, arrête. 2022. Ouf. Faut pas te planter, hein? Non, 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 bah je note. 2022. Ah ouais. Aujourd'hui, on en a combien? Là, on en est 5669 plus 8, 5677. 7087, 7088, 7089, 7090. Un bon moment de radio. 7091, 7092. Wow, il y a 7092 pâtes, 7092 coquillettes, ouais, dans ce paquet de 500 grammes de Glandu. Ouais. Je suis tellement heureux. On a enfin réussi à trouver un truc à faire à Glandu. Ouais, c'est cool. Non, mais franchement, c'est intéressant en plus. Mais c'était ta meilleure émission depuis le début de l'année. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Et si vous voulez encore plus de nous, et ben vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Snapchat. Et je dois même avoir un vieux compte MySpace quelque part tout pourri. Bonne journée à vous.